gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'ai vraiment la grande forme aujourd'hui pour vous proposer ces petits gameplays en mode League, plus de 50 kills. J'espère vraiment que ce gameplay vous plaira. Écoutez, en tout cas, moi j'ai vraiment mis du cœur dans ce gameplay. C'est vrai que c'est un gameplay où j'ai eu pas mal de coups de main au niveau de mes collègues dans cette partie. Je tiens à les citer d'ailleurs, il y avait Kevin de Lapilou, pardon, et Trick Atomic. Donc voilà, je les remercie tous les deux, ils m'ont vraiment beaucoup aidé à réaliser ce gameplay. Et donc voilà, je jouais là, donc je retrouve un petit peu le gameplay. Après on va parler des petits sujets que je devais aborder dans cette vidéo. Alors, je joue à la MSMC, chargeur rapide, canon, avec gilet pare-balles, poids léger, donc j'avais pris la soif d'atout 1. Robustesse, dextérité, c'est vraiment une classe terrible. Beaucoup de personnes me demandent avec quelle classe joues-tu. En ce moment j'ai du mal à reprendre Call of, j'ai du mal à jouer tout ça, quelle classe me conseilles-tu? Alors moi la classe que je peux vous conseiller, pardon, ce serait vraiment la MSMC, chargeur rapide, canon non, avec gilet pare-balles, robustesse et dextérité. Franchement c'est moi la classe avec laquelle je joue le plus, où je fais franchement le plus de carnage, hein, c'est clair, parce qu'avec cette classe on fait vraiment un carnage. Apparemment la MSMC a été patchée, enfin ce que j'ai entendu, la MSMC a été patchée. Moi quand je regarde ce gameplay en même temps que vous, je me dis que je me rends pas compte en fait, vraiment de la différence. Par contre je me rends un petit peu plus de la différence au niveau du multi. Et donc voilà, donc je vais donner rapidement mon avis sur ce que je pense au niveau du mode League de ce Black Ops. Et de mon avis sur les joueurs Deserto et tout ça. Alors, au niveau du mode League, bah franchement moi je le trouve pas mal du tout. Il est agréable à jouer, franchement il est vraiment très agréable. Bon par contre on tombe des fois avec des personnes qui jouent un petit peu comme on dit, qui jouent leur vie, qui sont vraiment à fond sur la compétition. Je peux les comprendre, hein. Il y en a qui sont à fond sur le sport, bah eux ils sont à fond sur la compétition. C'est un petit peu plus chaud, voilà c'est tendu on va dire. Mais c'est franchement sinon c'est en général c'est vraiment agréable. Faut la jouer stratégique, faut aborder voilà, des petites tactiques, c'est vraiment sympa. On se donne des petits postes, tout ça, c'est vraiment agréable. En tout cas pour ma part, moi je trouve ça vraiment agréable, c'est vraiment un plaisir de jouer en ligue sur ce Call of Duty. Ça fait vraiment. Moi je suis vraiment ravi. Parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais un petit peu de mal à jouer à Call of, tout ça, j'ai repris Call of, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et donc ouais le mode ligue, j'ai l'impression déjà que les connexions sont beaucoup mieux pour ma part. Que voilà, il n'y a pas de lance-patate, il y a beaucoup moins de détecteurs de cible, il n'y a plus de batteuse d'ailleurs, je crois qu'on n'est pas vu depuis que je joue en ligue. Ouais, il n'y a pas de batteuse. Donc voilà, donc on a fait quelques petites parties, puis bon voilà, on s'est classé, on a fait les 5 parties là, et on est en division or. Ça va, j'ai un pote à moi qui est en platine, je crois, premier platine. Pas mal, j'ai déjà lui, il se reconnaîtra dans cette vidéo. Et puis donc voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler au niveau des joueurs Deserto, mon avis, enfin mon ressenti que j'ai. Alors, tout d'abord, le Deserto, pour moi, pour ma part, ça fait vraiment longtemps que je connais un petit peu le mode, tout ça, enfin, les compétitions, tout ça. Étant donné que je joue beaucoup en compétition sur Black Ops, je suis vraiment réellement mis dedans sur MW3. Et là, j'ai un petit peu freiné, on va dire, quand même, je tiens aussi à préciser. Mon avis sur les joueurs Deserto, ça, c'est une question qui m'a été posée par un abonné. Comment je pourrais répondre? Ouais. Je pense que avant, quand je lançais une partie et qu'on voyait des joueurs qui se disaient, enfin qui faisaient du Deserto, qui se disaient faire du Deserto, on se disait que c'était pas tellement connu, donc on disait qu'il y avait une part de où on pouvait, voilà, on disait que c'était possible. Parce que de nos jours, quelqu'un qui nous dit ouais je fais du Deserto sur le multi, on rigole. Donc, franchement moi je rigole, ça me fait rire. Après sauf si vraiment il a un bon ratio, qui joue vraiment bien, même si le ratio ne veut rien dire, franchement voilà. De nos jours on voit toute la communauté quasiment, enfin une bonne partie de la communauté qui a mis l'emblème du Deserto avec ou l'emblème de Gotaga, le Millennium. Je trouve ça un peu voilà, après c'est leur délire, moi je juge pas sur leur délire, j'ai les miens, ils ont les leurs. Sur ça je voilà, je juge pas trop. Après c'est vrai que voilà, c'est un trip à part. Moi je mettrais pas ça en tout cas en carte d'argent, je préfère mettre moi ma carte d'argent, je sais plus trop c'est quoi, c'est ma chaîne YouTube. Voilà, personnellement, après, l'emblème Deserto, c'est pas trop mon délire. Enfin, voilà, mettre l'emblème comme ça, ça fait un petit peu. On va dire le mot, c'est un petit peu suceur, quoi. J'aime pas trop, moi. Et donc, voilà, donc, je vais rapidement aussi revenir sur ça. On m'a conseillé, alors, on m'a demandé des conseils au niveau de mes score streaks que j'utilisais le plus souvent et ceux qui font le plus de massacres, tout ça. En score streak, ce que je peux vous conseiller, moi, personnellement, serait le Missile Storm, tourelle automatique. Et puis l'aéronef, surtout en mode ligue. Après en classé en multi normal,
Je vous conseillerais plutôt, ça, tout dépend de votre jeu, franchement, il faut vraiment que vous adaptez à votre jeu. Par exemple, si vous voulez faire une tentative nucléaire ou réaliser une petite nuque, étant donné que je prends, des fois je le demande sur Twitter ou quoi, les gameplays de mes abonnés, s'ils sont pas un gameplay proposé pour mes prochaines vidéos, j'aime bien me faire participer mes abonnés comme ça, prendre leur gameplay, faire mon petit commentaire ici, je trouve ça sympa. C'est une manière à moi de faire participer mes abonnés. En parlant d'abonnés, je tenais faire, pour tous ceux qui auront GTA, faire... une petite, on va dire, je sais pas trop comment je vais appeler ça en fait, faire une petite partie entre abonnés, enfin entre, en, une petite, ouais, je, enfin voilà, une petite partie entre nous quoi, sur GTA avec des abonnés, je pense que ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, comment je trouve ça pourrait être un bon délire, sachant que GTA, franchement, il y aura GTA 5 qui va sortir bientôt. Moi je l'attends vraiment avec impatience ce jeu, je me demande vraiment, je me pose vraiment des questions, je me demande tout ce qui peut, ce qui va crasher. Est-ce qu'il sera vraiment comme on l'attend ou voilà. Sinon au niveau de la vidéo, je tenais à vous dire aussi, là on arrive bientôt à la fin, il va falloir que je me dépêche. Que sur ma chaîne, voilà, j'ai fait des petites miniatures, tout ça, ma bannière. Pour tous ceux qui voudraient une petite bannière pour leur chaîne ou des petites miniatures sympas, tout ça, il n'y a pas de problème. Dites-le moi en message privé. Moi je fais ça gratuit, j'ai aucune intention de me faire de l'argent sur vous en faisant une bannière qui franchement prend quoi, 1 heure maximum. J'ai aucun intérêt à me faire de l'argent sur vous ou quoi. Je fais juste des petites bannières gratuites comme ça, donc mettez-moi un petit commentaire. Je vous afficherai quelques petites bannières que j'ai réalisées pour mes amis, tout ça, vous me dites ce que vous en pensez. Enfin, surtout ce que vous voyez à petit peu près ce que je fais, ce que je peux faire. Et franchement, voilà, dites-moi un petit commentaire ou un petit message privé pour tous ceux qui voudront une petite bannière pour leur chaîne. Et pas de problème, je fais ça, je répète, gratuitement. Sinon, on arrive à la fin de ce gameplay. On arrive à la fin, il touche à la fin. Franchement, moi, c'est un gameplay que je trouve vraiment très intéressant. C'est-à-dire le mode League. Déjà, c'est un mode pour moi qui m'a conquis, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, je pense que j'ai beaucoup plus joué en League. Donc, je vais souvent mettre des petits messages sur Twitter pour les abonnés qui voudront jouer avec moi, faire un petit groupe en League, se classer. Enfin, là, ça pourrait être sympa. Donc, ouais, je vais beaucoup plus jouer en League parce que j'ai l'impression vraiment que les connexions sont nettement meilleures qu'en multi normal. Je sais pas pour votre part, mais en tout cas pour moi j'ai vraiment l'impression, il y a vraiment une différence mais impressionnante, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression d'avoir un temps de retard quand je vise sur un ennemi en multi normal que en ligue, je n'ai pas l'impression, pas ce ressenti-là. Donc voilà pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez, mettez un petit commentaire pour savoir un petit peu les connexions, si ça en joue ou pas. En tout cas pour ma part, moi j'ai vraiment l'impression que ça en joue énormément. Sinon, au niveau de ce gameplay, c'est clair, je me suis fait insulter étant donné que j'ai fait plus de 50 kills en ligue. Et c'est voilà, c'est quand même un bon truc. C'est pas tous les jours qu'on fait des plus de 50 kills en ligue. Encore moins sur YouTube, c'est pas tout. Pas, on voit pas beaucoup de plus de 50 kills en ligue. Tout ça, on voit beaucoup de plus de 100 kills, 150 kills sur des chaînes comme Code QG en multi normal. Et moi, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un petit truc en ligue. Surtout, voilà, c'est la grande nouveauté de ce Call of Duty. Donc voilà, tout ça, un petit commentary sympa. Je tenais vraiment à vous remercier d'ailleurs tous les nouveaux abonnés. Et voilà, vous êtes vraiment le bienvenu sur ma chaîne. C'est, j'ai eu un bon, comment dire, j'ai eu un bon retour au niveau de mes vidéos, notamment la vidéo Les Anges de Call of Duty, vidéo soutien de Guerry avec la participation de Ramzy Rules. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors je vous parle, on doit être à 900, ouais, on va atteindre presque les 1000 abonnés pour la vidéo soutien de Guerry. Et pour Les Anges de Call of Duty, ça monte tranquillement, on doit pas être loin des 500 vues. Ça va, ça me fait plaisir sur ma chaîne, ça va être mes deux meilleures vidéos. Franchement, pour les anges de Call of Duty, j'ai vraiment été surpris. Je pensais pas avoir autant d'audience sur cette vidéo. Je pensais que les gens allaient me dire, oh là là, c'est vraiment un kikou, il a fait un petit truc sur les anges de Call of, c'est facile de sa part, tout ça. Moi, c'est un concept en tout cas qui est venu de moi-même, je tiens bien à répéter. J'ai pas eu du plagiat ou je ne sais quoi, de pas pris les idées des autres. C'est franchement mon idée à moi, je l'ai gardée pour moi-même. J'ai monté ça tranquillou de mon côté. Dans mon coin, comme on dit, et voilà, ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. 500 vues sur ma chaîne, ça va. Et donc, voilà, on arrive à la fin de ce gameplay. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je répète, hein, plus de 50 kills en ligue, les gars, c'est pas tous les jours qu'on voit ça sur YouTube. C'est un joli gameplay. J'espère qu'il a été agréable. Je me suis fait traiter de connecto, de que je devais ranger ma burn ou quoi, alors que j'ai vraiment pas de burn. Hein. Voilà, regardez ma manette, hop, DualShock 3, aucune palette, rien du tout. Voilà, Sony.
il n'y a pas de ban de scuff ou quoi. Donc voilà, ces personnes-là qui m'ont insulté, bah, j'espère que je leur ai envoyé un petit message. Si ça ne la dérangeait pas trop de passer sur YouTube, ça ne me dit pas du tout, au contraire, en regardant ta vidéo. Bah voilà, les gars, je vous l'avais dit, je la mettrai sur YouTube. En tout cas, voilà, il y a eu un peu de rage dans la partie, mais bon, ça se comprend, c'est de la ligue, on doit être classé meilleur que l'autre. Et donc voilà, on se clique sur ces paroles, les gars. On se dit à demain pour la vidéo Les Anges de Call of Duty, donc l'épisode 2, 17h. Et puis voilà, allez, ciao les gars!